Eh bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous moi c'est... Oula. Eh bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous moi c'est nickel, j'espère que vous le même. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de mon let's play sur Far Cry 3. Alors entre les deux épisodes j'ai avancé, j'ai fait toutes les quêtes que j'avais dit que j'allais faire sauf celle-ci parce qu'elle est chiante et qu'elle sert à rien. Ça parce que ça prend 2 secondes et que je le ferai plus tard. Et celle-ci parce qu'on va la faire ensemble parce que dans mes souvenirs elle est sympathique. Donc là en fait pour le début de l'épisode on va aller chasser du tapir parce que ça va me servir pour confectionner un truc. On fait la quête et on part faire le Médusa. Je vais lancer mon chrono, je pense que ça va être un bon épisode. Et je suis super content de vous retrouver sur Far Cry 3, putain mais je jouerai à ce jeu toute la journée. Je continue ma partie en même temps, je fais n'importe quoi, je me balade sur l'île. Je surkiffe ce jeu. Et je suis aussi très content parce que j'avais fait des miniatures qui me plaisaient pas du tout. Je tourne toujours en avance, hein. Le premier épisode n'est toujours pas diffusé. Et enfin, j'ai fait des miniatures qui me plaisent. Alors, j'aimerais bien... Alors, ça tombe bien parce que j'ai besoin de la peau de chien et de la peau de tapir. C'est parfait. De toute façon, je l'ai marqué, il va pas aller bien loin. Hop. Il doit y en avoir d'autres, hein. Ah par contre c'est pas mon territoire là. Donc je sais pas, soit je refais un épisode un petit peu bonus, on va voir. Alors je voudrais le chien parce qu'il me faut aussi un toutou. J'ai dû le blesser en fait. Hop, un pot de chien, je crois qu'il m'en manquait qu'une parce que j'en ai eu une juste avant. Ah bah, non viens là. Eh viens là mon pote. On est copains en vrai. Si, on est copains. Oh putain. T'es où mec, t'abuses. Bref, alors. Confection. Sac de roquettes. Alors attendez, moi j'ai amélioré mon portefeuille. Je peux porter jusqu'à 4000. Donc je pense que ça va être enfin suffisant. Peau de tapir, voilà. C'est pour ça que je veux peau de tapir. C'était pourquoi le pot de chien. Pour ça, il me semble qu'il y avait autre chose. Holster d'âme, c'est peau de requin. C'était pas pour ça. Peau de tapir. Ah, il me faudrait 4 peaux de tapir en fait. Là, il y en a 2. Ah, attendez. On va prendre l'arc. Arc très utile pour chasser. Ok. J'en ai 2, il m'en manque plus qu'une. Hop, donc c'est aussi ça Far Cry 3, c'est beaucoup de travail de son côté. C'est pas faire que la quête principale parce que si tu fais pas ça après t'es largué dans la quête principale. Et je préfère faire ça maintenant comme ça on n'aura pas à le faire au fil de l'aventure. Et c'est quoi qui est marqué là-bas? Qu'est-ce que tu fais là bébé? C'est. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais il n'y a pas de tigre ici normalement. Faut que j'appuie sur quoi là? Change d'arme. Jason. Mais bordel, soigne-toi. Attendez, en fait, je sais pas où est mon arme. Non, 2. Mais putain. Ok, allez. Non, mais... Putain. Qu'est-ce qu'il foutait là? Et voilà, je sais juste pas... Mes armes, elles ont changé entre les deux épisodes. Et du coup, je me suis fait baiser. Bref, alors, munitions. Remplir l'inventaire. Ça coûte de plus en plus cher parce que j'ai de plus en plus de place. Putain, du coup, faut que je retourne au tapir, sérieux. Du coup, confection. Et je peux quand même me faire... Ça m'a... Oh putain, ça m'a pas sauvegardé, mais... Oh non... Ils abusent. C'est par le tapir. Oh non, ils abusent. Clairement, ils abusent, ça fait chier, putain. Bon, du coup, je pense que c'est un épisode bonus, hein. Mais ça se trouve, j'aurais coupé. J'aimerais juste... En fait, savoir comment on fait pour revenir au menu des armes, parce que ça me convient pas du tout là, comment mes armes sont placées. Celle-ci, c'est la deuxième, j'aimerais bien que ce soit la première en fait, parce que c'est mon arme principale. Même si pour la chasse, je me sers pas d'elle.
Alors, essayer de repérer des bêtes. Alors, par contre, maintenant je sais qu'il y a un tigre. Donc, il y en a un peu partout, mais je vais faire attention maintenant. On va essayer de monter sur ces rochers, ça peut être pas mal. Donc, comme ça, voilà. Deux, j'en ai vu un plus loin. Ok, parfait. J'ai mes quatre trucs. Il faut que je fasse gaffe au. De 1. De toute façon, on l'entend le tigre ou léopard, j'ai même pas trop fait attention. Il me semble que c'était un tigre. Viens là. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai la masse de flèches maintenant. Ils sont marqués. Donc ils peuvent fuir autant qu'ils veulent, hein, ça ne me dérange pas, ils sont marqués. Voilà, ça va super loin le marquage. Hop, pauvre bête. Heureusement que ce n'est qu'un jeu vidéo. Bon, écoute, on va faire toi un petit plus proche. Je t'ai raté. Oh, je l'ai raté. Putain, je l'ai raté pourtant. Il était immobile le truc. Du coup, je vais pouvoir confectionner mes deux trucs. Confection. Sac à butin. Créer. Dire quoi de flèche? Créer. Alors, juste. Il faut quoi pour toi? Peau de dingo. Oh, ça, c'est des sortes de chiens. Et peau d'ours. Ah, bah parfait, je fais une quête secondaire avec des ours. Il faut peau de requin mangeur d'hommes. Ouh, je sais où est cette quête-là. Donc, c'est parfait. Du coup, on va aller faire la quête. Où est Juliette? C'est parti. Voilà, du coup c'est encore un petit peu un épisode bonus, je pense. Alors, où est Juliette? Où est la quête? Elle est juste là. Cette quête-ci est assez sympa et toute proche, de ce que je me souviens. On a fouillé. Si elle était. Il porte le tatouage des guerriers Rakiat. Il va nous aider. Ça va pas? Ma petite fille. Mon trésor. Comment a-t-elle pu faire ça? Pour un garçon? Aïna, laisse-moi parler. Monsieur, ma fille Nadia est partie avec un garçon. Ils veulent... Ils veulent se tuer. Oh, ils sont jeunes. Stupides. Ils veulent tout, tout de suite. Alors ils font des bêtises. S'il vous plaît, ramenez-nous Nadia. Elle est jeune. On l'a cherchée partout. Non. Pas partout. On n'est pas allé à Bihar Rock. Monsieur! Vous pouvez y aller pour nous, vous serez plus rapide. On doit aller où? En fait, si, c'est la quête que je pense. J'espère. Ouais, si, ça doit être celle-ci. Et je viens de remarquer qu'il me reste un tout petit peu de gilet pare-balles. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Ouais, si, oui, si, c'est bien la quête que je pense. Vous allez voir, elle est sympathique, elle est pas hyper compliquée. On la voit pas d'ici. Et j'ai un snap qui veut pas s'envoyer. C'est parfait, c'est parfait. Et voilà ce qui arrive quand on regarde son téléphone. What? Où est Nadia et son amant? Non mais c'est peut-être elle là. Ah oui, si je me souviens de la quête. En gros, elle se fait attaquer. Par des dragons. Deux trucs. Débarrasser la zone des animaux agressifs, c'est bon. On va prendre leur peau parce que eux, ils sont costauds. Et du coup, bah là, écoutez, on a de la peau quasi limitée. Enfin, ça fait beaucoup de peau, très clairement. Et je sais qu'elle sert pour plus tard. Donc écoutez, on la prend. On dépece tout ça. On dépece, dépece. Enfin bref, vous m'avez compris, on prend la peau, quoi. Toi, t'as pas été assez fort, mon gars. Merci pour le petit pourboire, 1 $, c'est toujours sympathique. Du coup, on va aller voir la fille. Kiaora. Ça va? Il a essayé de me tuer. Il disait qu'il voulait fuir avec moi, mais une fois ici, il a dit qu'on devait mourir ensemble. Pour qu'on puisse être unis à jamais. Il
m'a tiré dessus. Comment t'es arrivé ici? Le coup de feu a dû effrayer les animaux. Ils l'ont attaqué et j'ai grimpé. Rentre chez toi. Tes parents sont morts d'inquiétude. Merci. Salut. Ok, donc on a donc réussi la quête. Oui, Juliette. C'est parfait. Ouh, 500, ça paye bien cette merde. Alors, on va voir un petit peu ce qui... J'aimerais bien un butin plus grand. Peau de dingo. On en a des dingos? On en a pas. Ils sont dans cette zone-là. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller prendre ce pylône à radio. Voilà, c'est encore un petit peu un épisode bonus. Mais voilà, j'en fais. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, les épisodes bonus... Bah désolé, tout simplement. Remplir l'inventaire. De toute façon, là, je me fais des quêtes, donc je me fais des sous. Et par contre, en point de compétence... Ah oui, j'en ai bien deux, c'est bien ce que je me disais. Alors, je voudrais... Tenez... Terminer plus de missions. Oh, dommage. Nager 20, d'accord, ça c'est quoi? Permet de vous cacher les corps, je m'en sers pas. Les barres de santé incomplètes, oui... Et ça. Hop là. Le tatouage grandit, Jason. Tu grandis avec. Alors, on va se rendre au pylône radio qui est loin, donc on va y aller à la voiture. Voiture un petit peu amochée. Mais bon, écoutez, sur l'île, on a que ça. Par contre, je vais faire attention parce que va y avoir masse d'hommes de vase, je le sens venir. Attendez, en fait, je suis même pas sûr qu'il y ait un... Ça sert à rien d'y aller en voiture, il n'y aura pas de route. Par contre, j'entends des bêtes cheloues, mais je vois surtout un petit truc intéressant. Ok. Une relique, c'est des trucs à collecter en gros. On va passer par la forêt, alors c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Point de compétence gagné. Oh, c'est parfait ça. Appuie sur mage pour s'améliorer deux fois plus longtemps. Je sais pas. Ça. Est-ce que ça va me servir? Hop, les reliques, vous voyez, il y en a en tête un petit peu de tout, donc voilà, on s'en fiche un petit peu. Donc on va prendre la tour radio, le camp, et on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Donc c'est déjà l'épisode 5 du Let's Play. Enfin, moi, j'ai tourné ça, j'ai commencé à tourner le Let's Play hier. Enfin, c'est pour vous dire. Je tourne en avance. C'est beaucoup plus pratique. Ok les gens, alors. On va se rendre là-haut. Ok, c'est tout là-haut, c'est loin quand même. Alors ici, bon, c'est pas indiqué sur la carte, mais je pense que... Homme de vase. Ouais, faut que je fasse vraiment attention. Mais j'ai l'impression qu'il y a des endroits... Ah oui, ça, je reconnais ça. Souvenez-vous bien de cet endroit. J'entends un truc sévère. Mon gars, lui, on se le tente. Ok, j'ai rien tenté du tout. Lui, c'est un tigre. L'autre, c'était bien léopard. Alors, il me semble que le léopard... Il arrive, Coco. Ok. C'est un chargeur complet pour un tigre. Putain. Ça pique, hein. Ça pique. Là aussi, ça va piquer si je descends pas bien. Alors, par contre, je sens les piranhas. Et les bateaux de vase. Inconscient, moi, en vrai. Ils auraient pu me buter, mais d'une force. Alors, par contre... Oh, ça, il me faut, ça. C'est tapir ou c'est cochon? Non, c'est cochon, ça. Oh non, c'est tapir. Bon, maintenant, le tapir, je pense qu'on en aura plus besoin. Mais tue-le! Ok.
C'est la guerre. Ok, j'ai foutu le feu à la forêt. Ok, éteins le feu, éteins le feu. Éteins le feu. En fait, ça semble pas si mal qu'il y ait des zones de... de vase, parce que comme ça, je vais pouvoir leur prendre des munitions. Enfin, j'aimerais bien leur prendre des munitions. Voilà. Il avait une AK classique. Ouais, bon, on va monter prendre la tour. Par où je vais monter? C'est par là le chemin? Ouais, il y a un petit chemin. C'est quoi ça? Putain, j'arrête pas de me tromper de touche. Oui, toi, t'as vu le poids que tu dois poser, il te faut plus qu'une flèche, mon gars. Allez, meurs! Je sais pas viser. Prends ton temps et tire. Putain, toutes les flèches que doit y avoir. Mon gars, j'ai utilisé pour un régiment de flèches. Alors, je sais pas ce que c'est. Oula. What? Ah, ça attaque, c'est merde. Mais oui, mais là, ça compte pas. Je suis pas prêt, moi, gamin. Allez, dégage. Voilà, merci. Tu fais de la peau facilement. Ah, là-bas, ils sont emmerdés avec un tigre. Je devrais peut-être aller en profiter. On y va ou pas? On y va. Non. Et bordel, faut vraiment que je règle ça. Alors. Putain, ils tombent même pas à mocher, les enculés. Ils peuvent pas me rendre la... Mais bordel! Ok, attendez. Il se passe quoi là? J'aimerais juste savoir où ça m'a sauvegardé. Si c'est pas possible. Oh, j'ai plus mes pots de bûche, j'ai plus rien. Oh putain, la merde. J'en avais pas besoin, mais bon, je veux la tour radio quoi. Bon, bah, je fais une coupure, je pense, hein, je vais cutter. Putain, mais c'est hyper loin. Ça veut dire du coup ça là. Putain. Ah la merde. Ah par contre, il y a des chiens. Ok les gens, je vais allumer un peu ces toutous moi, ces clébards. Viens. T'as de gueuler sale kleps. Voilà. Pourquoi il fait pas comme avec les flèches? Pourquoi il récupère pas les balles dedans? Il faut vraiment que je fasse un truc pour avoir plus de balles, parce que c'est pas normal que j'ai pas de balles comme ça. Bon, c'est pas grave. Voilà. Kit de seringue, je savais que j'en avais besoin pour un truc. En pot de serre. Enfin, pot de je sais pas quoi, mais ça m'a servi. Putain, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus loin que tout à l'heure. Je suis passé par où, là? Je suis jamais venu, moi, dans ces endroits. Aïe, ouais. Ah, y a un défi de course. On s'en bat les couilles. Ouais, par contre, cette fois, je vais pas faire le thug avec les trucs et tout, là. Allez, dis. Oh, je vais pas pouvoir grimper. Si, je vais pouvoir, avec la pierre. Ça, vous voyez, par contre, ça m'énerve. Tu dois faire le tour des trucs. Tu peux pas grimper 2 mètres ton perso. C'est bien casse-couille. Ok, les gens. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Rome. Et je viens de me rendre compte que je me dirigeais vers la mauvaise direction. Mais je sais que par là, il y a un truc et qu'on va aller le prendre pour aller plus vite vers ma direction. Ok, voilà, juste par là devrait y avoir un petit delta plane. Là, on va le prendre pour aller plus vite vers ma direction, c'est parfait. Hop là. Ok, moi c'est là-bas. Ok, c'est cool. Alors j'espère que les hommes de Vas vont pas me flinguer quand je suis en l'air. Ce serait vraiment problématique. Bon, cette fois je suis pas très haut, mais bon, écoutez. Ah, c'est bien des hommes de Vas sur notre territoire.
Bon. C'est pas le meilleur moyen de transport, mais c'est cool, c'est cool. Soit ça évite de repasser par le fleuve et tout le bordel. J'essaie de me poser dans la zone d'herbe là, qui est juste derrière les arbres. Je pense que c'est faisable, ouais, ça nous fait quand même aller beaucoup plus vite. Il est où le camp et tout qu'on avait vu? C'est plus loin, tout là-bas, je crois, vers la droite. En fait, nous, on était passé comme ça. Et là, on passe tout droit. Ok. Allez, gamin, c'est eux hein, pour descendre. J'ai retenu. Hop là. Atterrissage en douceur ou pas d'ailleurs. On va se faire la tour radio. Du coup, j'aurais pas fait grand chose dans cet épisode, mais bon, voilà, c'est ça. Let's play de Far Cry 3 et Chrome. C'est. Tu glandes tranquille. De toute façon, Let's play fera plus d'une trentaine d'épisodes. Donc. Voilà, faut s'accrocher. Donc, j'essaierai de faire en sorte que. En fait, si vous voulez, je pourrais faire l'histoire, voilà, dans tous les épisodes, mais je veux aussi pas faire tout le secondaire. De mon côté, je vais aussi en profiter avec vous. Elle est où l'échelle? Ah. Par contre, j'entends un quad. Ok. Ok. On va essayer de se faire ça posément. Même si les tours radio, c'est assez chiant, ça donne la gerbe. Hop. Par contre, c'est toujours aussi plaisant de faire 100 FPS là, pour le coup. Hop là, on y va. Hop. Et le petit coffre. Et la nouvelle tour, voilà, c'est parfait. Et voilà les amis, une tour de plus pour nous. Un pylône radio plus exactement, ce qui fait. Voilà, ça fait ça. Et moi je vous propose d'aller là, d'aller se faire le camp. Arc recourbé, ouais, bah je l'avais déjà acheté en fait. Bon, le sniper, je l'avais pas acheté. Ça attaque ces trucs, ça attaque. Oui, ça attaque. Non, je me suis fait flipper, ça attaque. On va les dépecer. Pourquoi? Pourquoi les dépecer? C'est vrai, très bonne question. Je ne sais pas. Au pire, je les revendrai. Du coup, cet épisode est sûrement un petit peu plus long. Why not? Ça me dérange absolument pas. Vu que là, je suis très en avance pour mes uploads. Par contre, là, vous allez me déranger, les gars. Non, deux. Son copain. Ok, alors ça, je crois que c'est des dingos. Non, peau de chien. Bon, bah écoutez, ça me fait de la peau. De toute façon, là, j'ai un sac assez grand. Faites voir, sac à butin. Ah, il me reste encore pas mal de place. Écoutez, puis j'ai pas mal de trucs à vendre dont je peux me débarrasser si je suis plein. Alors, ce camp, je vois pas c'est lequel. Et là, en fait, je vois une très mauvaise nouvelle, sachant que je n'ai plus d'armes. Ok. Ouais, mais non. On va attendre que le feu parte, mais il va bien se propager. Putain, moi, je vais alerter les hommes de face comme un con, j'espère pas. J'aime bien quand ça crame, vous voyez, après, ça fait genre terre brûlée. Là, je prends encore le feu. Non, c'est bon. Vous voyez, ça fait de la braise au sol. Je trouve ça assez cool, assez réaliste. Petit, on la garde quand on peut en s'en faire un facilement. Alors, le camp. On va l'appréhender tout en douceur.
avec mon sniper silencieux. Et je peux zoomer maintenant, d'accord. C'est cool. Alors. J'aimerais juste avoir l'alarme. Putain, je vois c'est lequel le camp. Le mec là-bas. Marque-le, voilà, merci. Putain, je l'ai pas eu. Mais... Nique ton alarme, voilà. On fout le feu. Ok mon gars, ça va être chaud. Un camp. Un camp full sniper. Alors que je suis censé être à l'arme classique. Oh putain, j'en ai marre. Pourquoi ça m'ouvre plus? Ok, faut que je fasse quelque chose pour ces touches. C'est pas du tout pratique. Vu où est mon micro, etc, etc. Oh, je l'ai eu. Magnifique. Magnifique. Putain, il y a un clébard, il y a un clébard. Allez, soigne-toi. Attention, toi. Toi. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Grenade. Grenade. Oula. T'es sérieux? Mais comment je rate ça moi aussi? Mais putain, comment ça se fait que je rate ça? Putain, c'est chaud. Hein. Un camp militaire à l'arc comme ça, les amis, c'est déconseillé. Non, mais là, il y a un mec, mais je l'ai pas marqué. Il en reste un. Toi, mon gars, je vais t'avoir à la mode. Voilà. Hop, ninja. C'est bon? Ok, on a eu le camp militaire, c'est cool. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va s'arrêter là, moi hors caméra, voilà, je vais faire toutes les petites quêtes et tout. Du coup, vous aurez un épisode plutôt long, mais je vais essayer de faire quelques coupures. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé, je vous dis allez, ciao.